Essayons ça. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, ça risque de gueuler parce que comme j'ai pas fait de réglage, j'ai risque d'avoir le générique qui va être rock, qui va se mettre à hurler sur les oreilles. Et là, tout de suite. Let's rock! Alors, premier, quasi premier lancement, hein. Je sais pas, je connais pas du tout le jeu, même pas le menu. On va découvrir le troisième opus, l'ensemble de Flat Out. Enfin, du moins, moi je vais le découvrir sous vos yeux. Mystère absolu. Oula. Ça aurait pu être bien. Oui, bah la musique du jeu. La musique, non, on va pas diffuser la musique. Est-ce qu'on peut jouer à la manette? Ah, mais c'est génial! Taille des pixels. Je savais même pas qu'on pouvait définir une taille des pixels. Pour un pixel, c'est un pixel, point barre. C'est quoi les effets? Stat, galerie et crédit. Galerie. Allez, photo! C'est quoi le délire? Oula, ils ont imaginé des de ces trucs. Ouf. Alors, pareil, j'ai perdu le chat, pardon, je suis sur l'écran là, parce que... Merci, que je puisse au moins voir le chat. Faites la causette, je ne vois même pas. Oh la vache, j'ai mis 124 chez moi, John. Ouais, c'est pas grave. De la vitesse sur des circuits abandonnés. Alors là, de la part du jeu, je suis surpris. Le coup de l'espèce de Formule 1 dans le... Oui, vitesse cet été, ouais, je veux bien. Ah oui, tu m'étonnes, j'avais conduit. Alors, il y en a deux, certes, elles ont un dessin différent, mais elles ont les mêmes caractéristiques. Bon, ça, classe. Je vois des choses, on a la mère Noël 2011. Ah ah. Et bah dis donc. Vous voyez, comme par hasard, la plupart elles ont des gros lolos. Pilote inconnu, c'est tout moi. Je suis la pilote inconnue. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça a le mérite de m'intriguer sérieusement. De la première position gagnée à course, c'est extrêmement important d'en apprendre plus sur les faiblesses des autres voitures. Hein. Et bien plus courant de se cracher en mode vitesse. D'accord. Je sais pas dans quoi je vais, mais j'y vais. FI à haute vitesse. Après sur le commencement. Ouais, je sais que ça se c'est bien la vitesse. Comment ça marche? Il est où le démarreur? J'ai pas mis la clé sur le contact, monsieur.
On a un gros souci. On va peut-être définir les contrôles avant de jouer. Non. Ah non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ah non, mais j'ai aucune touche de... Oh le bordel. On va peut-être configurer les touches avant. Ah oui, tout est vide. Ah, c'est merveilleux. Il m'a même pas fait une config par défaut. Mais comment je valide mon choix, moi? Ah, ça échappe. D'accord, c'est bizarre. On va tourner à gauche, je vais dire ça. Oh là 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 là, c'est fastidieux. After touch. Un après toucher. Je traduis littéralement sans comprendre de quoi ça parle. Eh ben, pourquoi j'ai pas le droit de mettre à droite? Oh là 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 là. Le super move. Petit super move. Alors il va apparaître, on va faire select. Activer, désactiver feu. Ça. Et la klaxon, ça va être. Voilà. Le viseur. Sans les caméras, éjection. Ah oui, pourquoi pas. Start. Circuit précédent, circuit suivant. Bah là, je vais faire moins et là, je vais faire plus. Oi, 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 oi. Annuler retour. Bah, on va programmer la touche de arrière. Bon, avec un peu de chance, je vais réussir à jouer. Si bien avec un peu de chance. Quand tu vois la taille du véhicule et la taille du mec, c'est peur. Thank you.
Essayons. Oula! Oulala, je vais recevoir un énorme SMS. Ah! D'accord. Alors je viens d'apprendre que mon week-end va pas se dérouler comme j'avais conçu. Ils ont changé l'algorithme d'équation mathématique dans la physique du jeu. Et le rendu est pas pareil, c'est moins drôle. C'est. Sans trouver la rigidité du cul, si je puis dire, du premier opus. Ce premier opus est carrément un simulateur, quoi.
c'est pas fait pour le divertissement, c'est fait pour la rigueur et la. Et la. Comment dire, la continuité, le fait de. Oui, la rigueur. Montagne, laisse un dehors. Je sais pas si c'est bizarre. Je peux pas, oui, changer un peu la planche de la tour. Oui, en jaune, elle était bien, quand même. Mais vas-y. Bref, le SMS que j'ai reçu, là, il va falloir d'ailleurs que je réponde au quai que j'ai lu. Je pensais diffuser samedi matin, mais non, finalement, samedi matin, je serai pas là. Donc, je sais pas si je diffuserai à l'inverse le dimanche, le week-end, je sais pas. Je sais pas si je vais faire quelque chose ce week-end sur Twitch. Je remettrai à jour mon Discord tout à l'heure, mais... C'est beau, là, là, c'est beau, j'aime bien le. Faire comme ça. Merci, t'as bien fait de le dire, Bastien. Oui, donc j'y vais, je présume que t'es rempli du boulot et j'espère que ça va, Bastien. C'est très, très rock and roll.
soit en relief là, on n'est pas la vue au loin, il y a un côté angoissant qui t'oblige à mémoriser le tracé, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. La physique est délirante. Oh mon dieu. Sinon, oui, congé aujourd'hui et demain. Ah, donc tes repos. Malgré, comme la semaine dernière, une chaleur encore trop présente. Ouais. Ouais, quand tu cuis, c'est chiant. Non, là, je me plains pas. Alors, honnêtement, j'ai 29 dans mon salon. Ma température est indiquée à 29. Mais c'est un 29 vivable. C'est respirable. C'est pas lourd. Il fait chaud, mais pas lourd, donc ça va. Je me sens, franchement, je me sens bien. Donc c'est cool. La bûcheron des Carpathes. Waouh. Il y a des circuits, c'est bizarre. Et des trois, il y a l'autre jaune. Pardon. J'ai pas déverrouillé. Alors attends, il y a peut-être un autre mode. Il y avait des Monster Trucks, j'aime bien les Monster Trucks. Les mastodontes de métal, là, américains. Détruisez 40 barils d'explosifs. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Allez-y. Ah oui, alors. 40 barils à faire péter. Oui, d'accord, 40 barils à faire péter. On va faire péter les 40 barils. Bien, en vacances, on va voir si on va en vacances en semaine. Alors, c'est ce que j'expliquais précédemment. Alors, moi, apprendre à cuisiner. Je suis dans un beau soupçon. Et ils sont tous les barils. Oui, j'alterne, je suis en congé, entre guillemets. En fait, il y a des trucs que je suis obligé de faire, j'aurais pas dû faire. Je suis rattrapé par des... Pas par des crasses, c'est pas le bon terme. Mais j'ai des merdes à résoudre à droite à gauche, donc je me relaxe. Je bosse à mon rythme, baba cool. Et je reprendrai, si tu veux, le plein régime après le 17, le lundi 18 août, un truc comme ça. Nouvelle course, préparatifs, vernir vertiliseur. Ok. Oui, on peut me considérer en vacances. Mais ce jeu est bizarre. Ce Flat Out 3 est vraiment bizarre. Bon, ça change les idées, mais ça me divertit pas vraiment. J'ai une part de frustration. Je suis loin de l'enthousiasme que j'aurais à faire, par exemple, le deuxième opus, qui lui est vraiment très drôle. Bah, on aura essayé.